avant et après une leçon individuelle de Feldenkrais. Bien entendu, ce procédé est rapide et peut vous donner une idée qu'il s'est passé quelque chose pendant cette séance. Mais une telle présentation ne vous dit pas de quelle façon une pareille transformation a été rendue possible. En un peu plus long, je peux vous montrer la posture de cette personne en arrivant, à un moment du milieu de la leçon et son allure à la fin de la séance. Mais là encore, ce dispositif, dans cette forme très synthétique, peut sembler relever du miracle, alors qu'évidemment, cette réorganisation est le fait d'un processus. Il faudra peut-être plus d'une séance de Feldenkrais pour qu'un individu puisse se sentir différemment. Plusieurs séances pour qu'il comprenne de quelle façon il s'utilise et quels sont les éléments qui ne font pas partie de l'image de soi. Et puis encore d'autres séances pour développer une capacité autonome à modifier un peu cet usage, supporté par une image plus précise de ses fonctionnements. Et enfin, apprendre à ne pas laisser s'installer de désorganisation majeure. Pour vous faire une idée plus précise, je vous propose le résumé en 15 minutes d'une séance qui pour cet individu a duré environ une heure.